Le bab camarade ou prend du feu, se mette pas à la trempe. Aïe, fom som, son j'aime te dire nous clairement. De ces sanctions que nous ouais, pays Canada, avec les États-Unis d'Amérique, prend compte, trois oligarques corrompus, criminels, extrêmement puissants, dans le pays d'Haïti, qui pas haïtien, nous garantit nous, la fait est fait, peuple haïtien. Oui, bon exaïe long. Oui, yon gen pile moun nan entourage yo. Oui, coalition d'assassins organisé ou bien. Mais m'ap di nou green bagay. Lòk ou nom te kou Sherif Abdallah, ki se yon nan piko responsable, yon nan piko actionnaire de la Société Banque de pays d'Haïti. Yon nan piko banque kap jere l'argent kidnapping pou kou criminel yon nan pays d'Haïti. Le blanc prend décision drastique pou sanctionner Sherif Abdallah. Peuple haïtien, même si nous avons des silences absolus, même garantie nous, bon niveau que nous avons privé, nous n'avons pas capable de kembe. Et bien effectivement, la nouvelle, c'est que Sherif Abdallah sorti dans le silence. Li. Monsieur Palé, Sherif Abdallah sorti dans notre tête chargée, Sherif Abdallah haïtien, passé haïtien, Sherif Abdallah plaignant, barré tête chargée. Quelque part, je dis nous capables de comprendre, évidemment, si nous même en tant que haïtiens, surtout pour les gens qui vivent dans le monde, si nous sommes moun, nous garantis nous, de ces sanctions, ça, nous avons un résultat définitif ensemble avec notre pays. Ça. Et surtout pour criminels assassins qui participaient effectivement dans tout le président pays, ton écrasé. Si nous même haïtiens, nous sommes moun, si nous n'avons pas de problème avec les femmes, nous n'avons pas de moun, nous garantis nous, nous avons tout ça que nous sommes capables pour nous faire façon pour nous libérer le pays, ça, en bas de gang, ça, dans le pays, ça, peuple haïtien. Jodi a peuple haïtien, n'attendez-moi sur plateforme pas non que sur plateforme YouTube faut bientôt. Janvier 2023. Ça fait nous 18 mois depuis que n'a bataille pour jouer la vérité dans ça qui vient pour avec assassinat crapuleux qui fait sous président pays noir qui c'est président Jovenel Moïse. Et mais effectivement il y a pile là qui pas penser que t'as gain haïtien qui t'as capable kembe. Malgré toute intimidation, toute tentative d'assassinat, malgré toute, comme si nous avons dit, persécution, mais nous disons, nous avons parce que nous avons quoi que, avec dossier ça, qui est un dossier assassinat président Jovenel Moïse, et même quoi que, depuis nous avons garanti nous, nous avons délivré le pays. Et effectivement, je dis, il y a des résultats que nous commençons à joindre. Ça que tu as dit que nous avons joindre, nous c'est des criminels commencer à sanctionner. N'est-ce qui a sanctionné la peuple haïtien, c'est des gens qui ont gros l'argent. Pour tout le président paysan, qui est président Jovenel Moïse. Et nous prenons le parler de Sherif Abdallah dans l'émission ça. Parce que c'est une émission très spéciale que nous prenons le faire. Nous prenons le parler de oligarques corrompus. Mais comme Sherif Abdallah, parmi trois criminels assassins que ont sanctionné, et bien lui-même nous choisit de sortir dans ce silence-là. Après, notre qui ont été mettre tête ensemble pour être signé dans le secteur privé, soit disant que côté que ont été joué et que ont fait la paix. Ils mettent tête entre eux, ils mettent fin dans la division de entre eux. Mais nous connaissons, l'un est divisé quelque part. C'est nous-mêmes haïtiens qui prend balle en tête. C'est eux qui m'a dit qui mourit. C'est mon canaran qui prend balle. C'est massacre qui a fait dans le canaran. C'est mon, quand ils sont big boy, qui a subi massacre. C'est gang dans le ghetto qui joue dans pile cartouche, en pile zam pour fusiller mon. L'un est dans le secteur privé divisé. Ça veut dire que je dis quelque part. Division n'est pas haïtien, nous n'avons pas bon pour nous. Eh bien, de fait, nous-mêmes. Qui est haïtien qui va organiser nous, à nous mettre tête nous ensemble pour éradiquer colonne gang sa yo qui prend pays en otage. Parce que me dis nous, clairement, si nous ne faisons pas le jeudi à la même, pita capitrice, maman petite marie vote, il faut mettre toi la pareille. Aïe aïe aïe, là sinon la mes amis, la va pousser, oh, mais si yo pas d'accord, pour ba nous ça nous voulons. Oui. Pas de l'autre solution, pas de l'autre option, me garantis nous, là nous dans situation, nous sommes peuple, nous libres, nous sommes nation, nous sommes ancêtres, nous qui te bataille pour te ban liberté. C'est ça qui te coulé pour te ban bouté ça. Lorsqu'on coupe Syrien, Libanais, Palestinien, Égyptien, Italien qui débarquent dans le pays, nous est que c'est violence physique qui a fait sur nous pour être capable de contrôler le pouvoir politique, là, pour être capable de contrôler. Pouvoir économique là. Parce que l'autre monde qui est capable de faire business dans le pays, diaspora haïtienne, petit pays, qui travaille à l'étranger, qui réussit économiquement, il n'y a pas qu'à venir faire business dans le pays parce que vous avez une gang, parce que vous avez un groupe kamikaze, un groupe terroriste, vous avez des Syriens, Libanais, Palestiniens, effectivement, qui prend le pays en otage. Vous avez contrôlé les douanes, vous avez contrôlé les ports. Des bons présidents venus pour dire, vous avez mis un contrôle sur ça, et bien quelque part, il y a boulé pas de pression sur vous, des pour faire des traites, il y a foutu 12 balles, il y a cassé 2 pio, il y a pété 2 yeux, il y a cassé 2 points à tout, il y a crasé crâne, il y a collé 24 balles.
même avec Jovenel Moïse. Calais yeux entendez, bois calé, manchette nous pour nous peuple haïtien. Là nous parler de shérif Abdallah, chaque grand haïtien qui attend même qui regarde là sur plateforme ça. Dans moment ça là, effectivement, ou gen pour devoir prendre responsabilité pour tendre effectivement ça que n'a dit et faites ça go, ça qu'on gen pour faire en tant que haïtien. Écoutez bien. L'on parle de shérif Abdallah, on parle de monde qui est extrêmement lourd, qui prend partie dans l'économie haïtienne, qui cause haïtien souffrir. Et je dis à shérif Abdallah, il y a un problème, il s'est critiqué les médias en ligne, il s'est critiqué les plateformes médias en ligne, parce qu'il croit que les plateformes sont en huile. Il fait mentir sous lui. Il a crasé les gens. Il a fait mensonge. Shérif Abdallah a critiqué les plateformes médias en ligne. Et bien, attendez bien. Si ça c'est menti, relez-moi. Devant la justice, convoquez-moi, ou du moins, vous voyez un papier timbré par moi. Chef Abdallah, mon compagnie qui est le Novoum. C'est une compagnie, effectivement, papa ici, avec l'autre groupe criminel, qui t'a fait 42 millions de dollars américains chaque mois dans le gaz dans le pays. Comment on fait comme ça? L'État haïtien, dès que c'est l'argent, volé, organisé au criminel, prend comme l'État, il a le prêt à acheter gaz là. Gaz la vini, yo dit l'État m'a fait distribution pour vous. Yo prend le prix, l'État va jamais compte prix ça. Prix ça, c'est prix pas yo. Yo fait comme l'État, le gaz la vini. Gaz la vini dans le terminal, et bien yo dit l'État, moi responsable distribution pour vous. L'État m'a dit comment, yo dit pas qu'il y a problème, moi besoin qui pour vous. N'a pas signé un contrat, m'a fait $1 sous chaque gallon. Et puis dans le pays, nous consommons 42 millions de gallons de gaz chaque haïtien, nous nous comptons ça. Nous consommons 42 millions de gallons de gaz chaque mois. Ça veut dire que chaque 30 jours, nous consommons 42 millions de gallons de gaz. Et bien, chaque grenex a fait $1 sous chaque gallon de gaz dans le pays. Et ceci, son comme qu'on a fait depuis 50 l'année. Et Jovenel Moïse te campé, les questionnel. Monsieur dit Jovenel Moïse, ça a 50 ans depuis la fête comme ça. Et bien, Jovenel Moïse te dit, monsieur, ou avez 50 ans de bois volant, je dis à ça de fini. Tenez bien, on a continué, papa ici. Parce que c'est aussi c'est la vérité qu'on a parlé. Donc, on facilite pour expliquer. Écoutez bien. Effectivement, shérif Abdallah, c'est où nanan qui t'a fait 42 millions de dollars américains dans le gaz là. Plus, yon gon 20 à 25 centimes que yon t'a supposé faire la pompe. Eh bien, yon même fait n'importe 60 combien gouttes dans la pompe. Son l'argent tête chargé. Ou l'argent 5 yon pas réti pour lui. Yon va dépenser $1 pour lui. Yon a broté comme ça, c'est campé. Mais ça, monsieur qui compare une ovum. Et le gaz, ça, le compagnie gaz, vient balle l'argent pour rentrer, pour l'investir, pour l'acheter action dans le Soje Bank de peuple haïtien. Mais qui côté? Ou alors, il y a des gens qui parlent haïtien, qui parlent mes noirs, qui racistes, qui parlent mes nègres, qui parlent mes, comme si nous avons dit, qui parlent mes ancêtres, par rapport avec l'action que nous te posé. Parce que quand pile là-dedans, c'est des gens français qui ont eu. Ils ont raï, alors ils ont raï nous-mêmes comme haïtien, parce que c'est eux qui ont tué papa de Saline. Yon kon haine contre nous. Et son haine qui pas fini. Si nous pas foutre marché prendre ça au grain bagren. Shérif Abdallah, Novoum nan gaz 42 millions de dollars américains, l'été qu'on a fait. Le Jovenel Moïse coupel, yon fout Jovenel Moïse 12 balles. Deux pieds cassés, deux poètes li cassés, deux yeux pétés, yon rachet de grenzé dans tête li, et puis yon fout craser tout visage li, yon craser colonne vertébrale li. Yon président de la République, yon te djou, c'est pour payer qu'a changé. Dim qui côté Haïti est là, je dis à nous 11 janvier 2023. 18 mois, 4 jours, depuis que tu es président. Dis-moi ça. Dis-moi qui est Haïti. Shérif Abdallah, tu es haïtien. Monsieur dans Soje Bank. Soje Bank, une banque qui est criminelle dans le pays d'Haïti. Et c'est deux banques qui, deux banques gang dans le pays d'Haïti, deux banques assassins dans le pays d'Haïti, c'est Soje Bank avec Unibank. Deux banques criminelles où qu'on est. Et c'est pour kamikaze que vous avez des Syriens, Libanais, Palestiniens qui ne sont pas haïtiens. Shérif Abdallah son égyptien gang criminel sans que. Kalambral fort en déclaration, monsieur, parce que monsieur dit pile parole la plein. Aïe aïe aïe. N'a pas dit Shérif Abdallah, pas l'autre bagarre non. Mon chef, prends responsabilité. Font ti marcher sous chat masse là. Ton écrasé, on 15 haïtiens. On 100 haïtiens, t'as quoi avoir à manchat ou la main yo. Et puis définitivement, yon tabou, sur habitou. Le fin de contact pigab là, yon se le consul honoraire pour pays qu'on est sorti en de pays d'Haïti. Yon faut qu'on ait au pire haïtien que haïtien. Yon machine quoi consulaire pour protéger tête yo. Qui côté a j'écoute les acquis alliés dans le business lié, dans le business privé yon qui lié. L'État il se pas une pièce contrôle sur ça. Vous comprenez? Tenez bien. Monsieur Jean de Soje Bank, n'a pas vu que vous avez fait l'argent extra enragé dans Soje Bank. N'a pas dit seulement pour nous faire comme ça avec on a de facilité, c'est faire spéculation dans le dollar. Faut monter, descendre dans le dollar enragé. N'a pas pris le dollar, pap là, grippe le dollar, 17 hauteurs.
un grain de dollar passé à 100 goud. Grain de dollar passé à 125 goud. Jovenel Moïse bande enragé. Jovenel Moïse dit pas possible. Pour une banque, c'est pour toute banque de pays, tout le bureau d'échange. Pour sénat changer l'argent pour faire l'argent, il n'est pas possible. Jovenel Moïse relé gouverneur banque centrale là qui c'est Jean-Baptiste Dubois, ça n'a pas une conviction non monsieur. Baden Dubois sanctionné banque ça qui t'a essayé comme si n'a tout fait de la grimper comme ça. Plus passé, on a un paquet l'argent, pile en pile l'argent. Et mais effectivement, il est sanctionné banque et avec rapidité. Un dollar américain qui était 125 goud. Dans moins que une semaine de la passer avec 70 goud peuple haïtien. Dis-moi qui baguette magique qui fait descendre comme ça. Tout économiste dans le pays a critiqué Jovenel Moïse par le fait qu'il dit par un mécanisme pour de la descendre comme ça. Mais quelque part, il n'y a pas de gens critiquer le dollar pour monter. Qui mécanisme qui fait la monter comme ça? C'est ce que je dis. Goud pas qu'un petit jeune économiste dans le pays d'Haïti. Ceux qui petit vicieux qui ont malheureusement, ils travaillent pour les gars corrompus. C'est les gars corrompus qui font l'autre machine. Parce que l'État pays, pas de belle opportunité pour de travail, pour de petit copier sur une machine. Yo tout rentré. En bas zèle corrompu, groupe criminel, yo au service des oligarques corrompus. Cap détruit pays, yo cap gangrené pays, mais yo pas cap parler. Yo plus prêt pour critiquer, yo président de la République, mais yo pas critiquer le criminel, yo. Ce qui est vicieux que yo, en pile là dans moi, préparé yo là, pour y avoir une candidat à la présidence. Pas ici, veillez en haut, veillez en bas. Parce que nous comprenons yo. Pour y s'habiter nous. Et qu'on l'a encore, oui, qu'on l'a massé ici dans Pétionville là encore, qui était député Pétionville, moi le show là. Et moi la page fait campagne tout côté ou il va le candidat à la présidence. Ou les gars corrompus, n'a guinité, oui, n'a guinité, vérité l'espoir, ban gang. Écoutez bien, Chérif Abdallah, non songe ban. N'a qu'à monter dollar, maintenant monter dollar. N'a fait tête clairement, monter dollar pas suffit, qu'on a fait que nous stratégie pour se nous gagner contrôle tout dollar qui a rentré dans l'économie un peu haïtien. Si je menti, Chérif Abdallah a voué mandat à moi. N'a créé une stratégie. Pour c'est eux-mêmes seulement qui contrôlent tout dollar qui a rentré dans l'économie haïtienne. Il y a contrôlé chaque grain de dollar qui a rentré dans la poche haïtienne. Qui ça a fait? Mais vous dites, vous avez une stratégie là pour que c'est good seulement pour nous bailler dans la banque. Si vous avez une folie de dollars, vous avez 1000 dollars, vous avez 50 dollars. Vous avez 3-4 000 dollars, vous avez 200 dollars. Mais il n'y a pas plus. Et vous avez passé par haïtien. Dossier à grimper là. Mais vous dites, comme diaspora, vous un pile de l'Amérique, nous déjà comme ça, dans le soir, pas décidé de faire l'argent en dollars, vous prenez un dollar 50 sous en plus. Ça veut dire que par année, diaspora haïtienne, vous avez plus passé 4 à 5 milliards de dollars américains chaque année. Imaginez, si vous mettez tête ensemble, 4 à 5 milliards de dollars américains chaque année, vous investi dans l'économie. Comme ça, les villes dans la poche, les villes dans la poche, les villes ne sont pas distribuées dans le pays, ne pas fonctionner dans le pays. Sinon, Haïti va pas trouver dans ça que vous trouvez là. Très bien, papa ici. Évidemment, Chérif Abdallah, organisé avec la coalition d'assassins qui est dans le banque, et vous dit, nous ne pas de dollars, et nous contrôlons chaque grain de dollars qui est dans la poche, chaque grain haïtien. N'a pas pris le contrôle de l'agence depuis la maison de transfert. Parce que pas oublier, yo tout qui n'a pas pris le contrôle de la maison de transfert. Vous voulez nous comprendre ça? Yo qui contrôle la maison de transfert, yo pas quitté la maison de transfert, bail l'argent en dollars, et moun yo gen problème. L'argent vini, non pris dans la rue, l'al vini dans le transfert, yo bail nan prix par yo, nan top par yo. Yo font l'autre comme un cause moun yo. Son l'autre crime contre l'humanité. A gen pièce moun carré le contre yo. On président le contre yo, yo tué président. Pour voir que n'a gen comme ça. C'est nous comprenons les Haïtiens. Écoutez, les négociants bloqués les Haïtiens dans le transfert, pas au dollar. On a peuple avec un moyen pour que vous fassiez diaspora haïtienne, la femme vient 200 dollars pour vous. Vous allez voir un compte dans une banque, dans une banque, pour déposer comme la soie 40 pour vous. Dans ce souci, vous êtes capable de prendre un dollar. Mais ça m'étonne bien, oui. Là, vous voyez 300-400 dollars pour un petit malheur dans le pays, ou bien votre famille, vous voyez, pour distribuer par plusieurs familles, mettre banque là, passer l'ordre. Avec petit personnel lio qui l'a sous 100 euros dans la banque là li dit moun gagne 400 dollars soit le besoin de la balle 50 dollars seulement pas balle plus si la prend l'autre reste là la prend en good et on balle avec tel taux qui différent par rapport avec taux l'argent yé sous marché là que on mette sous marché parce que c'est yo qui mette mon abache là pour sous marché encore oui la marché l'autre prix tête chargé dans marché sous marché là yo balle nos prix non mais son transfert yo et en plus ça pas suffit. Yo vin,
coincé dans banque là encore. Moi dis nous son coalition d'assassins, son colonne gang, son colonne criminel qui prend tout le pays en otage. Nèg coincé peuple haïtien nan maison transfert yo côté que yo pas décidé pour l'argent en dollars. Ou accepter pour prendre un goutte là, le regarder toquer yo baoul là. Si par exemple yo faut m'envoyer 100 dollars américains pour vous, et bien justement il prend 100 dollars américains, l'on prend l'accepter pour prendre un goutte là. La même maison de soeur, si vous décidez pour acheter 100 dollars, eh bien justement, vous avez besoin de 115 dollars pour acheter 100 dollars. Ou bien 120 dollars pour acheter 100 dollars. C'est-à-dire que vous avez bloqué les papayes sur l'autre compte encore. Et à la banque, là, vous avez ça. Vous avez senti que vous avez pensé. Eh bien, vous avez dit, famille, voyez 100 dollars pour moi, pour m'ouvrir en 40 dollars dans une banque, dans une banque. Famille, dit pas de problème, vous avez 100 dollars, vous avez ouvert 40 dollars dans une banque. Le 5 dollars ou 10 dollars pour l'ouvrir à 40 dollars. Là, ouvrir à 40 dollars, son moyen pour la chercher pour libérer tête pour le cacher 1 dollar là. Parce que quand il y a activité dans le dollar, surtout pour qu'il y ait un pays, il y a un Delma, c'est un dollar qui est payé. Et bien, tant de peuple haïtien, la famille envoyée, par exemple, on sait que c'est un dollar pour distribuer à toute la famille. Et pourquoi ça que la banque le fait? La banque le dit, nous allons conseiller la pirate, parce qu'ils ont décidé pour contrôler chaque grain de dollar qui rentre dans l'économie et qui va rentrer dans chaque grain de poche haïtien. Parce qu'on n'a pas de droit de gagner avec dollar américain. C'est notre crime contre l'humanité. N'a parlé de Cheikh Abdallah, il y a plus gros actionnaire de banque, nous qui parle là qui plein là. Parce qu'elle tendait nous parler pour nous parler tout à l'heure. Écoutez bien papa ici. Et bien justement, là qui rentre dans banque là, il a bloqué mon yo là. Mon yo après la mouille. Il a voyé 500 dollars pour mettre banque là passer l'autre pour que c'est 50 dollars seulement pour boire là-dedans. Le l'état décide pour dire mon bagage là, il y a ce président qui picho qui gagne volonté que vous pas qu'à contrôler, et vous mettez mes copes dehors, vous tuez le président. Est-ce que nous comprenons? Et bien justement, nous qui n'a parlé là, qui a coincé ces papayes de tous côtés, c'est les qui n'ont banque, qui a sauvé, c'est le shérif Abdallah. Songez bien. Et bien évidemment, le nez au fin de ça, vous avez contrôle l'argent qui a rentré dans le transfert, vous avez coincé pour tout comme là dans le monde, et puis vous avez coincé dans la banque là encore parce que c'est vous qui avez une banque dans le pays d'Haïti. Là, on vient de sentir que, en pile haïtien, commence à prendre une stratégie pour que l'argent rentre en République Dominicaine. Et puis, moun ki moun belade, moun ki moun wanamet, moun ki moun okap, al prend l'argent sous frontière. Et bien, qui ça? Nèg banque yo fait? Nèg yo dit clairement, pour nous capables de contrôler le pouvoir, alors, pouvoir économique toujours, pour nous capables de prendre l'argent moun yo, nous, avec un pile, yo voye l'argent en République Dominicaine, yal prend sous frontière là. Et bien, quand ça passe, nap mette. Industrie kidnapping non, entreprise kidnapping non, sous pied, et n'a employé majorité de ces gangs à sa patrie là-dedans. N'a fait comme si n'a dû exécuter mounio, prend mounio, et bien c'est dans le village pour nous, pour nous capables de craser ça, nous capables de brûler, classe moyenne non, évidemment, n'a pas fait. Nous qui Pascal en ligne, dossier ça nous prend la bordelle, nous parce que je dis là, c'est extrêmement important pour que le peuple haïtien connaît que qui est-ce qui kembe pays en otage, qui goût criminel effectivement. Qui kembe nous même dans grand goût dans souffrance qui a contrôlé nous à tous les niveaux de sa guinée pour avec l'argent qui a pris dans la poche nous. Bonjour, bonsoir Pascal, bienvenue, comment nous y est? Bientôt, je salue tout le monde qui est sous gros Chanel ça. Et nous disons c'est Chanel qui dit bagaille aux gens liés et qui l'a pour clairer la population parce que je dis la République prend en otage par un groupe criminel à tout fait qui dit à tout prix. Faut qu'ils exterminent toute une nation. Lorsqu'ils ont fini de tuer le président, ils ne pas contentés seulement d'assassiner le président. C'est toute population, ils ont dit faut qu'ils tuent. Et pour gérer par l'autre bagaille, c'est pour être capable de prendre bout de terre parce qu'ils connaissent qui ça qui caché dans ce sol-là, qui richesse qui vient dans le pays. Et bien, c'est ça que fait. Ouais, je dis, tout oligarque corrompu a poussé griffes bien long. Et je dis, avec toute communauté internationale, ils ont caché derrière, ils ont certain Ariel Henry. Qui n'a pas ni type ni qualité qui a continué de diriger nous. Bientôt, je dis, lorsque le président Jovenel Moïse a parlé des eaux poissons, eh bien, dossier, l'assassinat du président Jovenel Moïse, il tournait un eaux poisson dans le coup tout politicien. Je dis à Mouna Grandance, pas de courant depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il n'y a pas un bout de courant là. Et pendant, pas de courant, ni dans la Grandance, il n'y a pas de courant même. Et dans l'autre ville, yo, son lèvre conseil au bail courant. Et pendant, directeur Tchoul, qui est le Jean-Ewald Moïse, qui c'est Tchoul, Dimitri Vogla, a voté gros l'argent, mettez la Kaili et voté gros l'argent, côté pour Dimitri Vogla.
Parce que nous songeons, Dimitri Vob, te réclamer 50 millions de dollars dans l'État haïtien après que l'été fin comploté pour assassiner le président Jovenel Moïse. Ça veut dire, je dis à mon grandance, yo gon sel mot, yo dit tout autant président Jovenel Moïse, pas une justice, yo pas campé goumé. Et si oligarque corrompu avec pouvoir rétrograde l'a empêché justice là-bas, yo même y a entré dans formule vengeance là parce que yo te conjoint pouvoir yo lit et bien depuis oligarque corrompu yo te choisi assassiner président, et bien yo pas ouais courant la caillou encore et oligarque yo continue à frapper parce que plan à tout prix faut que mener force étrangère là. Nous voyons comment les États-Unis commencer à frapper la demande faut qu'on l'autre pays qui prend quête occupation. Eh bien, c'est ça qui cachait des deux drames ça qui passait dans Kafou fait hier côté environ 4 personnes perdu la vie sans compter l'autre qui blessé. Eh bien parmi 4 personnes ça qui mourir, il y a 2 policiers là qui mourir là-dedans. Et son message, yo voyez bay communauté internationale là, puis montrer communauté internationale là que la police nationale là qui t'a doué pour bay population sécurité, yo même yo pas dans insécurité et l'on regarde image image choquant et où est c'est des policiers en uniforme. Eh bien, nous même bon côté pas nous, nous est c'est plan occupation qui a atterri pour nèg yo capable venir avec force étrangère et puis complot nèg yo entrer dans des et massacre et men à Kafou fait et bien massacre qui fait sous des civils et avec des policiers et c'est yon massacre qui rentre dans plan occupation que Ariel Henry demandé avec tout l'autre malandré qui bon côté lio et bien c'est ça qui à la base assassinat et moun sa yo qui fait dans Kafou feuille hier après-midi. Très bien. Et normalement, avant que nous abordions point sa yo, je dis qu'il y a un bagage qui est extrêmement important, Pascal, pour que nous partage, pour que nous traitions ensemble avec la population. Et après que le Canada, avec les États-Unis d'Amérique, effectivement, t'es fini sanctionné 3 oligarques corrompus, 3 criminels, 3 assassins, 3 kamikazes, qui pas haïtiens, qui pas un crasse attachement avec pays d'Haïti, qui juste une seule relation avec nous, c'est peser, mettre pieds sous nous, pour briger nous, pour nous faire tout ça que nous sommes capables de produire comme l'argent, et puis pour botter à le serrer dans le pays, parce que vous pas haïtien. À savoir, Chérif Abdallah, Renald Zib, Gilbert Bidjo. Et bien, finalement, il y a une coalition d'assassins, qui possède des banques dans le pays d'Haïti. Effectivement, qui sentit que le touché par le régime de sanctions, quelque part, je dis, nous sommes capables de voir que monsieur sorti dans le silence. Et Chérif Abdallah sorti dans le silence, qui côté que monsieur parlait et de plusieurs bagages, Pascal. Et avec la population, nous prenons faire autant de, alors, un petit extrait dans une émission que journaliste Valérie Numaté fait hier, côté que il a parlé de intervention que normalement Chérif Abdallah te fait. Nous prenons le temps de avec la population, et puis tout de suite après, Pascal, nous prenons faire un petit commentaire avec la population. Entendez, avec un peu d'attention, et puis nous avons tourné pour commentaire. Il est très intéressant. Entendez. Abdallah a publié un texte, quand il présente, il dit c'est Chérif Abdallah. Ils sont hommes de famille, ou consul, ou entrepreneur, ou philanthrope. Monsieur dit, il a accusé, comme quoi il est à l'origine de problèmes pays d'Haïti. Monsieur dit, il fait au Caire. Maman, elles sont italiennes, papa, elles sont égyptiennes. Il est éduqué aux États-Unis et il dit, il est toujours considéré tête comme un citoyen du monde. Mm-hmm. Ok, mais Haïti, c'est patrie. C'est pays côté établi, côté le fond des familles, côté lancer carrière. Je dis, il consacre toute ville, n'en fait progresser société ça, n'en fait un ensemble de idéal démocratie libérale prend pied en un pays. Idéal de gouvernance incorruptible côté pas incorruption. Et il m'a appelé, oui. Et commerce international pour vous faire en fonction de ça, la loi dit. Je dis, il est installé en Haïti depuis 1981. Il est épousé, donc il est marié avec 11 ans 1000 qui était dans l'université ensemble avec lui. Depuis le A, il a toujours travaillé pour développer une bonne réputation personnelle. Chérif Abdallah dit, il a transformé l'entreprise familiale Madame Ni. Qui était un simple agence d'assurance, il fait le vignon principal agence d'assurance en Haïti. Transformation ça, elle n'est pas faite sans difficulté d'après ça le dit. En plus que Haïti son pays qui a pile monde, mais son pays qui a pile défi. Cependant, il n'a jamais perdu espoir que
Haïti a gagné un avenir très très prometteur. Pendant 4 décennies, monsieur dit l'approfondi lien avec Haïti à travers un ensemble de projets dans le domaine tourisme, dans l'immobilier, dans le secteur bancaire, dans l'aviation, dans le service public, pardon, avec œuvres caritatives. OK? Il dit tout fait dans le même objectif, là, objectif commun, qui c'est le développement économique du pays d'Haïti. Chérif Mbla a dit qu'il y a un pile dans le projet qui n'a pas abouti. Mais c'est la nature des affaires, ça qui arrive. Cependant, il est très optimiste quant à un avenir meilleur pour Haïti et ça ne va jamais diminuer, ni dans le cœur, ni dans la tête. En tant qu'entrepreneur, il y a un gros sens de responsabilité citoyenne. Il met ses compétences au service de différents secteurs et dans le monde des affaires. Depuis 2012, monsieur exerce fonction de consul général Italie dans le pays d'Haïti. Ils sont hommes d'affaires et ils représentent uniquement Italie ici en Haïti. Chérif Abdaladi, il travaille sans relâche pour faciliter relations entre patrie maman, qui c'est Italie, avec patrie que le choisit, qui c'est Haïti. En reconnaissance de service, il rend actuel président d'Italie, Sergio Mattarella, récemment est honoré, monsieur, en tant que chevalier de l'ordre de l'étoile d'Italie. Depuis 42 ans, Chérif Abdaladi, il travaille dans l'organisation publique et privée et pour porter réponse à un paquet de crises qui frappe le pays d'Haïti. Il a un peu de temps, il a un peu de l'argent, okay? Mais il a toujours été en backup, en arrière-plan. Il n'est pas en nature au monde qui est très privé. Fonctionne en tant que consul, par exemple, avec service public que lui oblige à bailler, en pile fois fait ou parler de lui dans l'actualité. Mais c'est bon, bah, lui remet. Les temps ont changé grâce à médias sociaux, tandis que réseaux sociaux permettent monde là, vin interconnecté, eh ben, interconnexion ça, lui pas fait sans coût. Elle me dit sans coût, ça dit que, ou qu'on va payer pour lui. C'est particulièrement vrai en Haïti. On paye sans répercussion juridique pour calomnie avec diffamation. Donc, selon Chérif Abdalla, ça c'est pas, je ne peux pas prendre personne. Hein? Et Haïti, c'est un pays quand on est cabiné, il dit ça, le méchant n'importe qui monde. Et puis, elle finit par gagner qu'un an et qu'à priver moun ça. Je dis malheureusement, tout le monde qui a une chance, c'est gagner un minimum de richesse. Dans le pays, malheureusement, je soumets tout à verdict opinion publique là. Et c'est vrai, ça le dit. Moi, j'apprends sur les réseaux sociaux, dans la date 5 décembre 2022, le ministère des Affaires étrangères Canada placé nous sur une liste de sanctions. Je dis, bon, c'est l'information que je recevoir. 292 mots qui injustes, qui détruisent la vie, qui pourrit la vie. Bien que nature accusation que vous portez contre moi, vous pas rendu public, même d'ailleurs, me dit tout le monde, vous pas mérité pour nom sur aucune liste sanction. Vous pas travailler pour ça, vous pas comporter en tant que tel. Monsieur dit, vous pas faire affaire et vous pas posséder aucune entreprise dans le pays Canada. En tant que consul, relation avec Canada, vous limité à des interactions avec chef mission diplomatique en Haïti. Dans fonction ça, moi et des missions canadiennes avec ambassadeur en Haïti, faire promotion démocratie, bataille contre corruption et puis développement économique. 292 mots ça qui très injuste selon moi-même, je fais de moins au monde comme Simdadjo qui impliqué dans créer des ordres en Haïti. Mais on pas même quand même penser que si ça a raison en yé. Canada, bien que yo agi de bonne foi très certainement, malheureusement, yo victime de même bagaille problème, fausse rumeur, avec mensonge à faire sur Internet, bah, il mentit sur le monde, et c'est de ça me victime tout. Gouvernement semblait, prendre l'impression, hein, et yo baissé bas, suite à critique, l'autre pays, concernant les traitements que Canada baille. Mais maintenant, sanction que yo vient prendre, parce que yo dit, ce sont question de oligarques criminels et russes. Bien que m'pa gen occasion pour m'aborder
et accusation scandaleuse ça yo avant que t'ai annoncé dans le monde là. Et moi accueilli avec un peu de chaleur opportunité que me gagner pour me rétablir réputation. Je pourrais me dire toute vérité avec transparence, honneur, avec respect. En attendant, famille avec moi, nous étions là, nous, à la merci du tribunal opinion publique là, qui présumait que d'abord, nous coupables, ok, et qui pas quoi dans aucune application procédure judiciaire régulière. 42 ans que je passe en Haïti à travailler, sans prendre souffle, patriotisme, avec bataille qu'on a mené pour la paix avec démocratie dans le pays, ça, eh ben, en pile monde qui a prouvé ça, et résultat qui a prouvé ça. En pile effort que me fait, et avec entreprise moi, et tout atout que me développé à travers le pays, tout fouillot là, monde qui a ouais, yo pas caché. Je dis à tout effort ça, yo, c'est de va yo craser à tes plates dans la boue, à cause de intérêts invisibles, sans aucun fondement. Comme toujours, la foi avec espérance, moi, c'est eux-mêmes qui s'allument. Convaincu que justice a triomphé dans le dossier PAM, dans tout au moins. Ça, c'était shérif Abdallah. Et même j'ai un paquet de monde, et nous cité très certainement, qui était capable de faire même des marches là. Nous sommes nos débats et lecture, position et Jean Risséen. Nous débord position et sénateur Joseph Lambert, nous débord position sénateur Yuri Latortue. Ouais, il suffit que yo parce que j'aime dire ça. Quel que soit mon nom, même si ou t'es accusé de tous les maux d'Israël, mais il y a droit à en défense. Il y a droit à défendre tête li. Et il y a droit d'abord qu'on est qui soit reproché là. Il y a droit qu'on bouba le détail, il y a un document la main pour que dalle préparer défense libre. Parce que, ouais, ça a fondamental. Son, j'aime toujours dit ça. Toujours dit ça. Et, c'est pas faute nous, c'est comme ça, la justice doit bailler, c'est comme ça, la justice doit run. C'est pas juste condamné au monde sans que, il y a une possibilité pour que le temps de soit reproché là, soit rien contre lui. Maintenant, une fois que toute preuve réunie à ce moment-là, par un problème, verdict là prononcé de manière formelle, malheureusement, si nous ne prenons pas l'habitude de sanctionner les gens en Haïti, nous ne pas priver là. Tout ça va pas priver là. Le ça, conseil de moun jodia, kap di, yo pas kon sa reproche, yo pas kon sa accuse, yo pa, moun sa va tap même gen chance pour venir dire ça, parce que tu as pris un débat. Ya! Tu as pris un dedans. Donc, comme tu as laissé aller, c'est la culture de l'impunité. Tout le monde fait ça, les personnes va sanctionner. Et bien voilà, nous vivons une société sans sanction qui vient faire que quand il y a jodia, le étranger a vient décider de la mettre sanction, le ça il vient étranger pour nous parce qu'on pas habitué avec. Comme si c'est pour une fois nous rendons compte que il y a pas eu de sanction, alors que bon quantité dans nous vrais qui méritait sanctionner justement, et c'est pas abus d'affaire. C'est pour ça que je te fais introduction dans la deuxième partie, pour m'attirer attention sur ça. Je me dis, nous, attention. Attention. Ou bien, il y a des moyens, ou bien, il y a des ceci, ou bien, il y a des cela. Ou bien, il y a toujours, il n'y a pas d'aller dire, il faut qu'on quantité va aller faire, etc. Oui, mais, probablement, il y a des trois mondes qui ont courant de ça le faire, etc. Il y a des trois mondes qui travaillent, il y a des trois mondes qui, oui, d'accord. Mais qu'on y a, l'homme pour les riches d'Haïti, et qu'on y a l'homme pour les gens pays pauvres. Ils ont juste annoncé que il y a possibilité de faire monde quitter pays. Parce que tout haïtien décide de vouloir quitter pays. Mais nous, même si nous avons possibilité d'être toujours là dans les 40, 50 ans, bon bagage nous joindre là dedans de toute façon. Donc, partage la manque est faite. Et c'est ça qui va résultat, ça, écart là trop grand, qui fait que des pour grand nègre parler, malgré, puissant vivre à l'ombre, on cache à vie sous lui, parce que, les rails ou, parce que, l'estime que s'il pas gagné du tout, c'est parce qu'on prend trop pour même. Effectivement, moi, je prends un petit commentaire, ça, après, Valérie Nimaté fin interprété déclaration, et soi-disant, homme d'affaires criminel, ça, chef de gang, ça, le chef Abdallah, et Pascal. Nous prenons un petit commentaire, et normalement, Valérie Nima. Mais, nous, capables de population comprendre, effectivement, ça qui a passé là. Premier bagage que m'a souligné, pour peuple, m'a dit que, sanction que pays Canada prend, et Pascal, li fait y est fait. Li fait y fait sou nèg yo. Est-ce que comprendre? Li rend monsieur pas confortable. Parce que c'est Canada.
c'est son puissance. Est-ce que vous comprenez ça, M. Jolan? Son puissance qui prend sanction contre un nègre qui débarque dans le pays, qui a 42 ans, et, évidemment, qui a botté richesse dans le pays. Et où est la trajectoire qu'on a botté l'argent dans le pays? Il a contrôlé l'argent dans le pays. Il a dans le pays. Il a dans quel niveau, masse peuple en pauvre. Il a des écoles. Il a dans quel niveau, nous riches, sans camper. Et puis, on équipe une pauvre net. Et puis, ça va jamais suffire. Comme si nous voulons mettre kidnapping. Pour nous rançonner tout petit monnaie que vous possédez dans la vie. Tout petit caille que vous avez gagné, il y a 20 ni pas forcé. Et nous mettons pas en bas, à acheter terre dans le pays, là nous finissons kidnapper. Yo. Ça veut dire que quelque part, Pascal, il y a des crimes qui ont fait, là nous contrôlons le système judiciaire nous, pour ne pas jamais garder nous dans les yeux, pour ne pas me faire noyer, parce que c'est nous pour faire juge là ou l'autre machine, c'est nous pour faire juge là, dormir dans le champ caille, c'est nous pour pas l'hôtel pour le dormir, c'est nous pour faire le manger dans le restaurant, nous pour contrôler tout juge dans le pays. Ya. Et bien évidemment, mais si vous pensez que comme si nous avons dit au niveau de la. Comme si mon étape toujours allé comme ça, comme si de génération en génération, c'est petit en petit pour ça de continuer à faire. Non. Et définitivement, cri papa ici, à travers les réseaux sociaux, et ça, le bail que nous avons souligné, Pascal, nous avons fait la population connaître que, yo même cap tande là, cap gade là, m'bat bravo pour vous. M'bat bravo pour vous par le fait que, yo suivent plateforme YouTube et Foubeto, yo suivent médias en ligne. Yo. Parce que ça qui passe, Pascal, et fait que nous, les sanctions en fait là, c'est par rapport avec réseaux sociaux à qui kembe, dossier ça en main, et qui fait qu'elle prend dimension qu'elle prend, ou du moins, ça qui fait qu'elle vient sanctionner les tout, parce qu'ils nous dénoncent à un niveau qu'ils sont capables de dénoncer. Pascal, nous allons faire un petit commentaire ensemble avec sous déclaration, et Chérif Abdallah ensemble avec la population. On va commencer. Il y a une bagaille qui a dit la question Chérif Abdallah. Chérif Abdallah a financé gang, il a volé, il a corruption, dans toute action malhonnête dans le pays. C'est dans le Conseil de sécurité, il y a sanction à prendre. Parce que, qui est-ce qui demande à Madame Aline, il y a une marraine gang, marraine moun qui a subventionné gang, et bien qui t'a demandé, qui demande liste là, c'est la Russie et la Chine. Effectivement. Parce que c'est ça, oui, pour Chérif Abdallah pas venir jouer avec moun là, pour la venir faire recherche, pour la montrer, son bio fait ses réseaux sociaux. Non, 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 non. Pas une question de réseaux sociaux. Ce n'est pas dénonciation sur les réseaux sociaux, ni ce n'est pas clameur s'il n'y a pas accusation. C'est dans le Conseil de sécurité. Hein? Eh bien, la Chine et la Russie, ils ont dit, pour voter résolution, il faut qu'ils soumettent yo liste chef de gang, yo, liste tout le monde qui a subventionné gang en pays. C'est comme ça, liste-là, tu as devant le Conseil de sécurité. Hein? Eh bien, avant même que. Des pays ça a été voté résolution, il y a toute une liste, toute une cap financé gang en d'abéia. Ça veut dire son bagage qui prend au niveau et Conseil sécurité. Ça veut dire qu'il y a un paquet de pays là-dedans et nous connaissons la Chine et la Russie, il y a un droit de veto là-dedans. Exactement. On parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle de gros taux. Il y a un pas prendre n'importe quel bagage, il n'y a pas qu'à influencer la décision. Non, il n'y a pas capable. Et puis c'est eux qui te dit non. Avant que nous votions, nous ne pas voter comme ça, il faut nous connaître toutes les. Quand finance gang en Haïti, il faut nous connaître tous nos chefs de gang. Effectivement. Regardez Chérif Abdallah. Chérif Abdallah, moi, tant de journalistes là, dit un bagage qui est important. Si la justice commence à sanctionner un paquet de gang dans le pays, je dis, il n'y a pas de non logique, c'est sale, sale image, c'est caractère abdétu, c'est mon gars fait mentir sur yo. Vous ne connaissez pas bloquer la justice là. Il y a grand pile de monde qui te pense, lorsque le président Jovenel Moïse te dit, ils ont forcé le nommer 50 juges corrompus. En plus, nous ne comprenons pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Les juges, là, qui est-ce qui présentait les juges pour président nommé? C'est Parlement présenté. Parlement, qui est-ce qui mettait Mounsa dans le Parlement? Ben, nous, les gars corrompus. C'est pas même. Eh bien, les oligarques corrompus, ça veut dire juges, pas capable des juges corrompus. Parce que lorsque le Parlement fait choix des juges, il voit le président, et le président n'a pas de choix, c'est nommé pour le faire parce que c'est. Si le Parlement a le pouvoir nominatif, c'est le Parlement qui a nommé à faire lui. Comme c'est le président qui vient s'arrouler le pouvoir nominatif, et bien vous voyez, équipe corrompue. Et si le président ne pas voulu voter, pas voulu publier, pas voulu nommer juste à eux, ou pas qu'on n'a pas été dans un paquet de choules, un paquet de raquettes en deux pays, après il dit, le président a violé la Constitution, il faut que le président le mette en accusation. Effectivement. Parce que c'est là où il bagaille là et là. Je dis à là, je ne sais pas quoi, on équipe nèg pour nèg yo mener un pays dans sa lié là. Et tout le monde connaît, si nous avons un secteur privé qui t'a investi, nous pas un secteur privé, c'est des gangs qui t'a financé. Parce que, en quoi Chérif Abdallah, Chérif Abdallah joue avec tout le monde dans le pays. Je dis à là, Chérif Abdallah dit, li pas dans la subvention des gangs, li investi, li permet la démocratie avancer. Je dis à là, après 42 ans,
que Chérif Abdallah taille bande dans le pays. Tout le monde pas manger dans le pays. Mes amis, vous vous aidez? L'hôpital général fermé. Complètement. Moun qui connaît côté. Complètement, ça veut dire, son monde malade dans le pays, alors par contre, qui côté pour aller prendre soin de santé. Je veux dire, dans le pays qui est en bas fatra. Je veux dire, dans le pays, la majorité de monde qui à l'école. Et souvent, c'est dans le quartier populaire. C'est dans le quartier de nos noyaux. Où est-ce que c'est qui est vivable? Et parce que, invivable là, ce n'est pas dans la période de guerre là où vous venez vivable, non? C'est des quartiers qui étaient déjà invivables. Ça veut dire, l'autre zone, la saline. L'autre zone, cité soleil. C'est le même côté cochon. Cabri, toute vieille bagaille, matière fécale, c'est là où nous avons vu, c'est là où nous avons levé, oui. Ça veut dire, nous avons conditionné pour nous, qui n'est pas ça, qui devient des criminels, oui. Mais qui est-ce qui peut qui t'empêcher et travailler cette quartier populaire, cet investissement fait. C'est avec ça que tu as voté tout l'argent dans l'État qui t'a dû investir dans des projets de logements sociaux. L'argent t'a dû entrer pour construire l'hôpital dans le pays, pour faire route dans le pays, pour mettre le peuple à courant. De pays, c'est là que ça a boté l'argent. Ça, effectivement, yo gon fasse yo boté l'argent. Ou tendez, yo jeune un bon au niveau BRH. C'est là l'argent boté. L'argent boté, bon oui. Au niveau B. Mm-hmm. Bon au niveau BRH. Et au niveau budget, tout temps, gros somme paywa, li pas entré en dans budget. Pas qu'on green parlementaire qui a voté budget. Jamais, pas qu'on green parlementaire. Ça fait un map de ton écrasé. Son tsunami pour ta passe en bas, le groupe volant, ça réunit en bas. En vérité, mon Dieu. Parce que n'a pas des populations en clair. Parce que pour nous comprendre, je dis à obstacle là. Je dis là, avec une équipe oligarque corrompue, une équipe criminelle, assassin comme ça, en quoi? Menel Kassi clair, il y a 20 ans, zami avec ça, le Renault Dib. Eh bien, toute décision, monsieur, qu'on a pris dans le Parlement, pour qu'est-ce qu'on a pris? Pour évidemment, pour Renault Dib, pour zami li. En quoi? Donne kato, tout l'obéi dit qu'on fait méga fond, fait l'obéi tirer pied. Pour qui est-ce que tu as pris des choses? Pour Dimitri Vob. Pour la nation. C'est pour Dimitri Vob. Ça veut dire, lorsque le Parlement était ce symbole, ça veut dire son repère de gang, un repère de bandit. Et drogue dealer. Qui est-ce qui voit Moun Zayou en de Parlement? Yo tout, yo gen comme bossio, c'est les oligarques corrompus en de pays. Effectivement. C'est ça que faut, ouais. Pendant tout ton mandat, président Jovenel là, yo campé, yo fait obstacle avec tout projet qui va aller dans l'intérêt national. Population. Eh, on garde, bon nègre là, je dis à Fon Citénol, c'est Rockefeller Vincent. Mm-hmm. Rockefeller Vincent, comme ministre de la Justice, son nègre qui t'a loin pas conduit. Comme ministre de la Justice, un président mouri, l'angel mouri, ministre de la Justice, détégué comme question renseignement, non mais il pas de fond, non? On garde, c'est un projet pour construire le tribunal en de pays. Ou pas qu'on est Patrick Boisvert qui mette tête avec Rockefeller Vincent. Malgré le président de la République là, te mande pour gérer des codes qui n'ont pas allé dans le budget pour construire le tribunal, pour construire bureau état civil. Ou pas qu'on est Patrick Boisvert pas de jambe de caisser comme ça. Et là, le ministère économie et finance pas de caisser comme ça. Comme ça, son comme, il est réservé pour les oligarques conduits. Et faut que tout le monde comprenne. Lorsque le pays a lui-même lui fermé, je le ferme pas gagner développement, pas aucun ministre économique et finance, pourtant c'est le président de la République qui va lui, toujours c'est oligarque conduits qui mettait ministre de finance là. Et ça fait que vous facilitez pour aucun Boisvert là. Et Boisvert, c'est oligarque qui te mette. C'est pas John président Jovenel Moïse. Donc, toute action Boisvert, c'est action contre le président Jovenel Moïse. En quoi, j'oute toujours mes têtes avec Boisvert. Il dit même si le président m'a dit que c'est comme pour aller construire le lycée. Nous sommes les présidents de la Jovenel Moïse te dit faut comme quitter là pour question parlementaire qui n'a pas pris glan en bas. Il dit comme ça pour aller investir pour construire un lycée. Comme là, oui. Comme ça, c'est au niveau finance. Joute avec Boisvert est bloqué comme ça. Et c'est pas pire, tu as montré. Très bien. Parlant de oligarque et Pascal, bon exercice là qui est extrêmement important. Hier, nous avons commencé à faire, mais je dis là, nous trouvons dans l'obligation pour que nous fassions, pour que les populations comprennent mieux. Qui s'est passé? Nous avons parlé de Chérif Abdallah là maintenant. Chérif Abdallah, quand 2 ans, il a connu la Coupe d'Haïti. Il dit que l'aider pays ça pour l'économie avancée, l'aider dans la question de touristes, l'aider dans la question de aviation. N'a pas qu'une question bagaille qui n'a pas avec aviation. OK. Monsieur dans le secteur ça.
Pascal, est-ce qu'on pense que c'est l'argent l'État pas gagné pour t'acheter de l'hélicoptère? Est-ce que vous comprenez? Tenez bien. Mais qui ça fait l'État ici pas qu'à acheter de l'hélicoptère, peuple haïtien? Écoutez bien. Bon homme qui est le shérif Abdallah dans le pays. Eh bien, homme ça, l'organise dans le pays, quel que soit président qui monte, premier ministre qui monte, eh bien, vous avez un contrat pour qu'on signe ensemble avec elle. Contrat ça, souvenez je ne là ou pas qu'à couper. Li doué ou doué continuel. Qui contrat que lié? Par le national, pas gen hélicoptère, pas gen avion. La primature, pas gen hélicoptère, pas gen avion. Eh bien, c'est shérif Abdallah qui gen hélicoptère dans le pays. Si vous besoin avion loué, c'est lui même qui va le prendre dans le monde dans la Dominicani. Pour le fin loué dans le pays d'Haïti. Chaque temps de bien, le président Jovenel Moïse qu'on a volé dans l'hélicoptère dans le pays d'Haïti, un peu haïtien. Tenez combien de cobs ça compte lui. L'icône 26 000 $ américains par un peu haïtien. Des fois, nous avons monté 36 000 $américains. Et là, pour le président pète discussion avec chef Abdallah contre Koupéa, c'est 36 000 $américains que l'État ici a payé par un des temps. Écoutez bien. Minimum pour temps pour l'État ici le faire contre ça, c'est pour yon mois, peuple haïtien. En nous tendant ça pour payer. En nous disant, il y a des temps qui pour 36 000 $américains. En nous prenant, il y a des temps ça pour nous dire, n'a pral. Alors, dans un jour, il y a 24 heures de temps. On nous dit c'est 36 000 $, ça multiplie par 24, peuple haïtien. On nous dit 36 000 $, ok, on a regardé le chiffre là, sur l'écran, multiplié par 24, qui c'est 24 heures de temps, qui va un jour. On a 24. Égal, peuple haïtien. Ça baille 864 000 $américains. Que l'État haïtien, que par le national, ou du moins la primature, loue yon hélicoptère nan men shérif Abdallah. Ou attendez Pascal? Voilà, oui. Justement, l'État haïtien a fait contrat ça pour yon mois minimum. Et bien, par jour, l'écoute l'État haïtien, 864 000 $américains, peuple haïtien. Est-ce que nous comprenons bien? Presque 1 000 000 $américains par. Ça veut dire que c'est comme qui t'a doué là, qui t'a bon plusieurs hélicoptères. Plusieurs hélicoptères. Écoutez bien, on nous prend ça, Pascal, par le fait que nous parlé de contrat minimum, c'est un mois. On nous dit que c'est 864 000 $américains, ça. Qui pour un jour, n'a multiplié le patron, qui c'est un mois, peuple haïtien. On nous dit 864 000 $américains, multiplié par 30 peuple haïtien. On a les mes chiffres là. Pascal, dans un mois, ça veut dire 30 jours. Shérif Abdallah fait avec l'État haïtien, avec la présidence ou bien la primature, il fait 25 920 000 $américains dans 30 jours, Pascal. Dis-moi comment, à 42 ans, pour payer sa pata pauvre, pour masse peuple la pata, comme si nous prêt pour manger la boue tellement on a grand goût. Dis-moi pas qui moi l'État est capable d'occuper peuple, Pascal. Dis-moi pas qui moi. Mais combien de cobs yon égyptien, maman c'est italienne, li pa gen crasse attachement avec pays d'Haïti, li juste pour un chapeau consul Italie met sous tête li, pour ka passer droit, pour ka rentrer zam dans pays, hein? Li fait toute qualité avec malhonnête, ce que pièce moun pa ka poser la question, parce que li gen plaque machine li qui se quoi consulaire, li son agent consulaire, son rendez en tout, c'est comme si ça nous capable les services consulaires, ça, service consulaire ça, sans en dedans bus privé que lié, pas gen pièce moun gen kon kontrol sou li, son ministre qui gen pour un chapeau pour contrôler le pays. Mais combien cob Pascal, yon nèg a fait dans un contrat hélicoptère avec l'État haïtien chaque mois? 25 920 000 $américains. Écoutez bien, vous connaissez ce qui passe, Pascal. Moi, je parle avec deux amis dans la diaspora. Yo fait me connaît que chaque mois, avec comme ça, minimum, l'État caché n'importe 4 à 5 hélicoptères, Pascal. Et, ouais, comme ça, 25 000 000 $ et puis ça, il t'a bon hélicoptère. Pendant un mois, vous avez possédé l'hélicoptère, vous avez besoin de lui, non, mais. Et reste comme là pendant chaque mois, ou t'as pris comme ça pour construire l'école, l'hôpital, ou dans le pays. Ça veut dire, je dis, si nous pas des hélicoptères, je dis là, nous sommes capables de bons hélicoptères, tout, des hélicoptères pour permettre l'armée. Effectivement, c'est là nous t'as pas arrivé. La question,
quartier populaire, tout pays qui gangsterisé, qui n'est même avec international ou gangsterisé, nous sommes capables de résoudre. Payer policiers, nous plus bien, équipés, nous plus bien, avec la ensemble, nous sommes capables de construire l'école, nous sommes capables de construire l'hôpital en d'un pays. Eh bien, si en d'un pays, nous pas gagné un service social de base, eh bien, c'est chez Fabdala. Effectivement. Je dis à la, si. Pascal a coupé, ma conscience. Parce qu'elle a coupé, c'est garder ou bien ou même, ou mourir, pour question, soins santé, eh bien, c'est Chérif Abdallah. Chérif Abdallah qui cause. Kounya n'a pas avancé, Pascal. Parce que, écoutez bien, le contrat s'est fait, moi, m'a rappelé, dernière fois que tu as coupé, c'est et trois mois, contrat que Jovenel Moïse ouais. L'argent, ça, les trois cobs, il pas de continuer le contrat. On nous dit, c'est 25 920 000 dollars américains multiplié par 3, ça veut dire 3 mois. Et là, quand tu as coupé tout, parce que je venais me respecter coquin. Vous comptez combien comme ça fait, Pascal? Pour 3 mois, ça veut dire 90 jours. Chérif Abdallah fait 77 760 000 dollars américains. 77 760 000 dollars américains pendant 3 mois. Sous deux peuples, ça, Pascal, ou abgade qui n'a grand goût. Si moun pa ka l'école, lycée yo, professeur pa ka touché, nan tribunal yo, jide pa ka touché, la police pa ka touché, kap ba sécurité de place, nan la repas de Brestan, bien qu'en pile là ou nan volo. Kade nou, kade, ti personnel kap travaille dans l'hôpital général, pa ka touché, oblige à faire grève. Mais, Chérif Abdallah, comme ça, Pascal, nous sa fait depuis plusieurs années dans le pays. Kou nou kon sa k passe, nou kembe ça pour peuple là toujours, Pascal. Monsieur dans trois secteurs dans le pays. Écoutez, dans n'importe quatre secteurs. Monsieur dans hélicoptère. Monsieur dans secteur bancaire. Monsieur dans question de gaz. Et puis, il y a une compagnie d'assurance pour la broter l'argent dans le pays, Pascal. On nous prend l'autre partie encore. Qui c'est dossier gaz, là, Pascal? Depuis 50 l'année. Depuis 50 l'année, ça a fait 1 dollar sous chaque gallon gaz dans le pays. Par conséquent, nous consommons 42 millions de gallons gaz. Chaque mois dans le pays, ça, Pascal. Écoutez bien. Eh bien. Très bien. Finalement, c'est bien pour nous capables. Eh bien, c'est ça que fait. Ouais. Gouvernement de facto, deux mois après assassinat président Jovenel Moïse, lui remettre monopole importation gaz là avec la tête SAO, criminel SAO. Effectivement, c'est dit là qui fait. Il récompense pour action qui est opposée à qui c'est assassiné président. Oui, dépensant pile l'argent pour le président. C'est ça, oui, de libre. Totalement gaz dans le maintenant, la monopole, là. Ça veut dire que c'est contrôlé, c'est coupé la chaîne, la question et importation de produits pétroliers. En fait, tout le monde va créer. Gaz sont produits stratégiques et transversal. Un produit stratégique et transversal, pas capable de mettre des raquettes dans le secteur privé. Lorsqu'on a un produit important, comme ça, dans mon équipe criminelle, eh bien, c'est population. Ou dit, Negyo, tu es tout le monde dans grand goût, tu es tout le monde dans classe, eh bien, je dis à ces sacs, je dis à ou lever, yon plate à l'équin, à 2500 gouttes en de pays d'Haïti. C'est grave. C'est la moune qui a mangé pendant journée là, oui. Gen moun je dis à la, qui passe toute journée, yon pas mangé. Et puis, demain matin, yon lever, yon pas mangé encore, non. Je dis à grand pile si moune qui a l'école là, c'est tombé grand goût sous l'école, oui. Pendant tant de gros l'agence à yon, nan men Negyo. C'est ça, il y a un mandat gouvernement criminel là, augmenter prix gaz. Chaque semaine, un ajustement qu'a fait. Et là, il y a bouqué dans la question ajustement, qu'on y a créé un raté artificiel, qu'on y a gaz pas vendu en pompe en Haïti, non. Gaz vendu en droum, dans la rue, 2500 gouttes, 3000 gouttes, jusqu'à 5000 gouttes dans la pays. C'est ça, machine. Très bien. Ça veut dire que, ma rappelle pour les Parisiens, que Chérif Abdallah, c'est un criminel assassin qui est dans la souffrance, dans la douleur, dans la calamité que nous trouvons là pour le moment. Ça veut dire que si nous connaissons que nous avons des gens qui pensent ensemble avec elle, qui mettent dans la situation que nous trouvons là, qui est dans la souffrance dans la Monsieur le Chérif Abdallah, Chérif Abdallah, son chef de gang, son criminel, son kidnappeur, son assassin, parce que il est dans tout secteur. Nous parlons pour l'autre secteur ensemble avec là, qui est extrêmement important pour que vous connaissiez de qui est-ce qu'on a parlé, parce que citoyen ça, il est extrêmement puissant dans le pays. Que en pile moun pas vraiment connaît li parce que li même lui dit ça clairement pas vraiment moun qui connaît parce que li toujours été dans background nan. On nous aller dans secteur ça qui vient pour avec secteur pétrolier. Pascal, tendez bien, peuple haïtien. Dans pays, n'écoutez qu'on a fait alors
42 millions de dollars américains sous gaz là chaque mois. Ça veut dire que $1 américain sous chaque gallon. Hey, Beto, vous précisez vous mettez dans 42 millions. Très bien. 42 millions de pas avant gaz là non pour oui. Exactement, de pas avant non pour oui. Après ça vous le comment encore oui. Depuis la commande, oui. Depuis la commande, mettre là. Depuis avant le vin dans le terminal là. Exactement. Vous connaissez à qui combien fait commande gaz là? Comme l'État, oui. L'État ici. Comme l'État ici. C'est grave, c'est extrêmement grave, oui, Pascal. Eh bien, les gaz fines vont faire 42 millions, non? Ils ont fait 42 millions depuis la commande là. Depuis la commande là. Eh bien, mon chien n'a pas avancé. 42 millions de dollars avec les appels parisiens, n'est-ce qu'il a fait depuis 50 ans dans le pays là. Eh bien, Jovenel Moïse qui vient, il dit, bon, à quelle fin? Pour l'État haïtien qui est comme là, l'État haïtien est capable de créer un moyen, parce que Jovenel Moïse qui faut bagarre intelligent. L'État haïtien n'est pas de compte qui prie gaz à vendre sur le marché international là. Le gaz a monté, l'État pas connaît. Le gaz a descendu, l'État pas connaît. Pendant ce temps, l'État toujours payé même comme là pour l'acheter gaz. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, Jovenel Moïse font coup de patte dans l'international là, avec des amis, parce que Jovenel Moïse sont qui toujours foison dans le canal, j'ai des amis qui connaissent, pour jouer l'information. Eh bien, quelque part, Jovenel Moïse, bonne information, mais qui prie gaz là, vend dans tel marché, mais qui considère ce gain. Eh bien, Jovenel Moïse dit, si l'État a gagné gaz là, l'État a fait contact pour le connaître compagnie, qui ça fait l'État pas commander, pour ça, son monde qui est obligé de commander pour l'État. Jovenel Moïse dit, faut que nous ayons un dossier gaz là. Et bien, il dit, président, il y a un contrat signé, oui. Jovenel Moïse dit, pas une question de contrat, n'a pas coupé. Et pourquoi ça passe? Je paye, il commence à bouler. Ou commence à jouer dans le Michel Abjapé. Dans le cas, c'est Michel Don Kato, chez l'Eludor. Et va y avoir un plan. On y collé. Don Kato, Ravetio, mais rage de Port-au-Prince. Qui ça passe? Parce que contrat gaz là. N'a pas rappelé le dossier, ça peut Pascal. Et président Jovenel Moïse coupe contrat ça, mois de mai 2020. Mois de mai 2020, contrat gaz a coupé dans le pays d'Haïti. Mai 2020, il coupe contre les gars, il coupe pour être. Et il y a une bagarre pour nous dire à tout le monde, tout gros channel ça. Trois noms ça, où la communauté internationale a fonctionné, il fait sous table avec Jovenel Moïse. Effectivement. Exactement, garçon. On va bien parler, Pascal. Et bien, bon avancé, on va tourner sur ça, pas bien sur l'abdi. Marquez ça. Écoutez bien. On a parlé de 42 millions de dollars américains, papa, ici, qu'on a fait dans le pays. Dans le pays d'Haïti, Jovenel Moïse. Fin senti comme ça, trop. Tenez bien, oui, c'est pas qui grave, oui. 42 millions de dollars américains, ça peut pas ici, la fête chaque 30 jours. On nous dit c'est 42 millions de gallons gaz, 1 dollar sur chaque gallon, fait 42 millions. 42, et puis 6-0. Mais il peut pas ici, 42 millions. Et mais, par le fait que 42 millions, c'est pour un mois, mais on nous faut multiplier par 12 mois, parce que une année, c'est pour 12 mois liés. On nous dit c'est 42 millions, multiplié par 12 peut pas ici. Mais combien comme nèg sa yo fè nan gaz la chaque année? 504 millions de dollars américains. 504 millions de dollars américains. Et bien, comment ça passe? Nan yo tout fè calcul ça sous chaque mandat présidentiel. Yon quinquennat. C'est-à-dire que 5 ans, comment ça passe ou même? Nous pral fè comme ça, multiplié par 5 qui se yon mandat présidentiel, peuple haïtien. Mais pour ça, Chérif Abdallah met gros comme leader tout et Jovenel Moïse. On nous dit c'est 504 millions multiplié par 5 ans présidentiel là. Mais combien comme ça baille pour yon nèg chaque mandat, pour yon nèg qui nan Gaza seulement, chaque mandat présidentiel? On a qui nan Gaza seulement, oui? Chaque mandat présidentiel, mais combien comme il fait? Il fait 2 milliards, ça veut dire, l'on regarde les premiers chiffres qui devant, des points 9 autres chiffres derrière, mais justement, premier chiffre devant représenter 1 milliard, peuple haïtien. C'est 2 milliards, 520 millions de dollars américains, Pascal, peuple haïtien, famille, amis, plateforme YouTube et Fubeto, 2 milliards, 520 millions de dollars américains, que nous avons fait dans le gaz là, chaque 5 ans, chaque mandat présidentiel, chaque 5 ans, en parlant de gaz seulement, nous tenons un dossier, question hélicoptère, et bien nous prenons ça à lui-même. Qui c'est gaz là? Nous prenons un mandat présidentiel, qui c'est chaque 5 ans, mais combien de temps vous fait? 42, attendez bien, l'on est là, on fait comme ça, pendant 42 ans dans le pays. Comment est-ce que ça t'es capable de faire tout le président? Et pourquoi ça passe? Le président coupe ça, il a tué le président le 6 pour 7 juillet 2021. Et mais quelques mois après, il a fait un contrat, il a fait un contrat. Il a mis tête ensemble, il a dit par le fait que Jovenel Moïse a fait un paraître comme pendant qu'il a coupé le contrat, de mois de mai 2020, à comme Simdadjou, à 7 juillet 2021, ça fait un paquet de mois. Il a dit Pascal, faut que nous tout monter gaz là pour nous tout doubler comme là. Où est-ce que ça passe Pascal? Il a fait 2 dollars américains depuis avant gaz arrivé dans le bon plan, peuple haïtien. Où est-ce que ça passe? Aujourd'hui, là, quand je parle à vous là, Pascal,
nèg yo fait 90 millions de dollars américains chaque mois dans Gaza dans pays d'Haïti. M'vle comme chef Fabdala dit nous même qui dans média en ligne, n'a pas menti, m'vle monsieur voye mandat ban moi pour nous prouver papa ici ensemble avec Pascal. 90 millions de dollars américains nèg yo fait depuis environ 17 à 18 mois Pascal sous dopep ça. Oui, eh bien, c'est comme ça, oui. Je dis à qui a séparé en tout et oligarque, tout le monde qui était dans le président. Parce que je dis à là, ça vous peut pas ici, on est à partir de chiffres, ça y est, on prend 42 millions de dollars et chaque mois, avec dit sous et commande gaz là, sans gaz là, pour qu'on même arrive dans le terminal, ça veut dire depuis dans le commande là. L'on va de 500, ça va 500 millions de dollars pendant un mois. Pendant une année. Pour chaque année, et l'on prend 2 milliards pour 5 ans au mandat au président. Mm-hmm. On y a demandé, est-ce que ce problème l'argent qui gagne dans le pays qui fait notre mal vivre? Mes amis, ah, Pascal, il y a tout pays en pauvre, tout le monde pas à manger, pas à l'hôpital, pas à Haïti pauvre, et puis, tenez bien, on est 4 milliardaires chaque 5 ans. Est-ce que vous comprenez ça, Pascal? Oui, ça veut dire, est-ce que ce problème moyen économique, est-ce que ce problème l'argent qui fait aujourd'hui? Si moun pa kapab jwenn l'école, pi à l'école normal. Parce que an pre, de des sections communales en dans pays là. Si moun yo à l'école, c'est l'école en tache pal, mis bagay fait kokoyi. Si ta sou wash sou bloc. On en prend sous bloc, oui. Mm-hmm. Là nan ville Port-au-Prince, gon paquet l'école là. Tout ban en dans l'école publique ça, tout ban écrasé, l'école dans mauvais état. Eh bien, on entend de tout comme ça, oui. L'hôpital sale ta coûte président. Moun a pou grand goût. Pas aucun programme social, programme d'apaisement dans le pays. Ça veut dire toujours dit, pas de moyens pour moun bien vivre. Pas de moyens pour augmenter le salaire des policiers. Oui, payant pauvre. Pour green bagage, pour mettre chaque grand haïtien. Puis augmenter le salaire aux médecins. Au médecin résident a touché 12 000 combien de gouttes. Au médecin résident dans l'hôpital général a touché 12 000 combien de gouttes. Et il a retiré là-dedans. Et il pas même malil. Eh bien, pendant, il seul nègre. Il levait tout comme ça, habit mettez dans poche et comme ça, c'est pas comme que yo dans ça point yo quittant dans pays là, c'est comme il y a mettez dans gros banque à l'étranger. Et je dis à la pour une situation difficile ça, je dis à faut nous pas quitter bataille sanction, bataille je dis à pour comme ça yo nous récupérer yo, pour bien avec ça yo nationaliser, mettez dans patrimoine l'État. Pour servir la nation, nous pas qu'à la bataille ça, gros bataille ça qui est intérêt pays en main et communauté internationale là, pour ces communautés internationales là, cap jouer. Cap sanctionner nèg. Non. C'est non. Nous pour prendre bataille ça en main et pour nous dire, l'argent ça, c'est l'argent qui est coupé pour nous. Il est coupé poche nous, point, et c'est l'argent faut que nous menions. Une gros bataille sur terrain, ça veut dire pour nèg ça, aller devant le tribunal et pour bien nèg ça, nationaliser, entrer dans le patrimoine de l'État haïtien parce que. Tout le building qui est au fond, c'est qu'on capable de gagner dans le pays. Nous capables de venir. Effectivement. Il y a des gens qui sont dans le pays. Effectivement. Même si on a investi à l'étranger, il y a des gens qui sont dans le pays. Parce que lorsqu'on a crasé le quartier populaire, crasé toute zone où on vient faire une zone de non-droit, c'est pendant que vous avez monté dans les hauteurs. Exactement. Je dis à Kaisa, qui est dans les hauteurs. Nous capables de prendre, oui. Parce que pour payer, oui. L'argent, c'est l'argent pays, oui. Eh bien, c'est cette performance de bataille qui fait pour. Nous mettez camper l'État. Et pour mettre camper l'État, première étape là, c'est mener la grande mobilisation. S'il le faut, utiliser les mêmes moyens extra-légaux pour être capable de déchouquer Ariel Henry côté l'IA. Parce que c'est lui qui a protégé pour le moment. Exactement. C'est lui qui a protégé. Et deuxièmement, bon bataille pour demander. Pour nous dire, Madame Alim n'a pas placé en un pays. Négatif. Parce que Madame Alim, comme. Responsable Nations Unies de pays, le président n'a pas assassiné de vous, et malgré le président assassiné pendant là, lui-même n'a pas l'homme levé titre pour demander le Conseil de sécurité pour une commission d'enquête internationale qui pouvait faire lumière sur ça. Ça veut dire, Madame Alim, il faut chasser Madame Alim avec tout Ariel Henry. Effectivement. Si nous chassons Mounsa, nous pouvons venir avec une équipe qui est crédible pour nous remettre campé l'institution démocratique, pour nous remettre campé la justice. Et là, nous finissons de camper la justice avec des juges crédibles et compétents. Et pour nous commencer à traîner devant le tribunal. Et je dis, nous connaissons, même si nous allons de tous côtés, il faut que nous fassions des démarches diplomatiques, mettez mandat à travers Interpol et pour nous finir de répondre avec question la justice haïtienne. Parce que nous ne pouvons pas connaître la question de sanction, non? Parce que si la communauté internationale a été aidée de nous, c'est pas sanction seulement, c'est pas sanction d'État. L'État vient avec l'ISLA et l'État pour aider nous mettre la justice pour camper. Parce que, comme on comprend, on sanctionne, on prend bien les gens. Est-ce que
est-ce que des gars nèg t'a fait crime que nèg t'a fait avec est-ce que c'est société canadienne qui victime ou bien société américaine nan? Non c'est société haïtienne nan qui victime c'est nous qui pour juger nèg yo et pour nèg yo répondre avec zak qui yo commet et société a doit aller loin faut que des pétitions signées pour mander jodia pour déporter petit nèg ça voyons dans pays ya. Et c'est pas seulement pour nous camper dans pétition pour déporter pétition et pour nèg ça yo juger pour ça, fait parce que je dis à si tout le monde appauvri, moun vin nan pauvreté, non seulement il y a un comme qui revient nous de loin, il y a coupé coup nous, et qui s'est fait encore, il a utilisé un zam pour continuer à prendre l'argent dans la population qui s'est zam kidnapping. Nan. Je dis à un monde ou même qui est victime de question kidnapping, qui a appauvri dans la question kidnapping, ou doit préparer dossier pour aller déposer plainte pour tout le monde qui est communauté internationale là, sanctionner. Parce que l'on veut camper l'État. Faut que les gens qui sont victimes de cas de Jacques de viol dans les kidnappés dans le quartier populaire, ils font même bagaille là. Les gens qui sont des assassinés dans le pays, il faut qu'ils fassent même travail là. Parce que je dis, nous ne pouvons pas quitter le crime, ça est impuni. Je dis, nous avons tué le président, après nous faisons un genou, nous avons gardé les gens. Et nous avons continué avec la machine dans moi. Ils ont tué leurs citoyens dans le pays. Et bien c'est parce que nous étions en camp, non? Si nous avons commencé à passer à l'action, nous montrer, nous déterminer, si nous avons pas voulu paraître devant la justice pour répondre, premièrement, avec assassinat président Jovenel Moïse et tout le monde qui est aux causes qui mourit en dans la société. Et bien, si ce n'est pas ça nous fait, moi, dis-nous, nous avons campé, nous avons pris nous et nous avons continué de tuer nous, graine par graine. Pour nous stopper, machine dans mort, ça en dans le pays, c'est camper face avec tout oligarque corrompu. Et faut que des choucailles ciblées qui fait dans le pays. L'aime parler des choucailles ciblées, c'est des choucailles qui visaient taille oligarque, qui visaient taille tout politicien qui était cap supporté et cap joué mon côté en le pays. Effectivement, effectivement. Et pour nous finir, parce qu'on a fini avec point ça, pour nous dire, papa ici, je dis à nous-mêmes, dans la plateforme YouTube InfoBeto, nous prenons responsabilité. Il y a des gens qui disent c'est risque. Mais pour nous, pas risque, parce que son responsabilité qu'elle y est, pour une bataille, pour nous des pays, nous, sortir dans la situation qu'elle trouvait là, pour nous, que nous capables de tourner la caille, pour nous vivre bien la caille. Parce que là, nous, c'est haïtien. Là, nous, c'est des gandés, pour nous regarder comment, un groupe criminel, a tout pisi paysan, nous, qu'a produit l'âme, yo, ti patate, yo, ti yam, yo, ti manioc, yo, yo, pas qu'à venir vendre n'importe quoi, là. Moi, de une équipe saturée, toute rentrée capitale avec gang, et bien, quelque part, c'est nous-mêmes, ou crasés, parce que nous-mêmes, nous sommes en province, par nous, t'es qu'on voit petit Johnny, pour nous, Pascal, chaque week-end, chaque 15 jours, pour nous être capables de manger, pour nous aller au lycée, pour nous aller à l'école, pour que nous capables de vivre côté niveau là. L'on est bloqué, paysan, nous, et bien, justement, c'est nous bloqué. Et bien, nous suspectons. Nous bloqué. Effectivement, c'est nous bloqué. Ou là, par exemple, vous autres, la Syrie. Y en a pas bientôt, pendant qu'on parle des paysans. Très bien. L'on bloqué, paysan. Ou bloquer moteur pays. Ou moteur pays. Les paysans, c'est eux qui représentent moteur pays. Moteur développement pays. Très bien. Parce que sans paysans, pas de pays. Effectivement. Eh bien, justement, Pascal, nous avons la sec quand ça me connaît, nous avons sec là. Effectivement, nous avons tourné après-midi avec dossier ça. Parce que dossier ça, l'hypoco fini, Pascal. Nous prenons la profonde enquête, nous prenons plus de détails, plus de dossiers sous nek ça. Parce que nous commençons, il y a un pile de données qui commence à venir dans le moment où nous avons parlé là. Monsieur, vous l'autre dossier pesé sous lui, nous parlons rien. Nous parlons rien. Vous songez, vos manifestations que tu as faites et en d'apporte au prince, gardez trois mouns qui t'a passé bon, local et côté consulat, monsieur. Mouns a eu 30 ans de consulat, jusqu'à présent, pas de mouns qui contraste, mouns a eu côté passé. Vous disparaissez, vous disparaissez. C'est comme monsieur était obligé de vous casser dossier ça pour lui. Ça veut dire, monsieur était disparaît tout mouns a eu, et les journalistes entrés, ils étaient traçant en dedans, consulat, monsieur. Et jusqu'à présent, aucune explication sous assassinat, disparition, Mounsayo, que Sheriff Abala te fait en un pays. Parce que, je dis à nous clair, n'a pas campé là, pour nous reprendre la bataille, la pita, je dis à, nous sommes dit un bagaille, nous devons prendre risque. 6 ans, 7 nous, pas prendre risque, je dis à nous, pas faire 1804. Justement. Et c'est 1804 ça, que oligarque corrompu avec international la fin de pays, et bien, je dis à, pour nous faire l'autre 1804, en grand pays, pour nous bailler pays, on l'autre indépendance. Parce que je dis à la, nous prenons l'indépendance en amène nous, et bien tout le monde doit faire des sacrifices. Eh bien, si on ne fait pas sacrifice, on va prêter dans la classe cotoéa. Et je dis à nous, les gens qui ont goûté tomber, les gens qui ne peuvent pas tomber, eh bien, on n'a pas d'autre choix, c'est goûter pour goûter. Et si on ne goûte pas, on ne peut pas stopper Van sans ça, on ne peut pas stopper la misère dans le pays, on ne peut pas stopper et grand goût, eh bien, il y a une façon pour stopper, c'est camper goûter et camper goûter.
et lorsqu'on boumé, mettons en position pour bailler réponse avec adversaire. Et bien, c'est ça fait n'a fini pour nous dire bientôt. Je dis à nous pas dire grenadier à la sauce qui mourit, ça fait rayo. Et bien, grenadier à la sauce qui mourit, n'a vengé. N'a vengé, très bien. Et bien, Kevin Pascal, rendez-vous casse exactement pour après-midi pour nous faire suivre de dossier ça. Et nous allons approfondir enquête, nous pour nous donner plus de détails pour nous porter pour famille, amis, plateforme YouTube, mais faites Kevin Pascal, à tout à l'heure. Pas un problème. Très bien. Voilà, ensemble avec nous, c'était exactement Pascal depuis dans la Coupe d'Haïti. Nous t'avons parlé de dossier assassinat président Jovenel Moïse. Effectivement, nous arrivons exactement sur le dossier. Oligarque corrompu, ça nous a plein. Effectivement, qu'a plein. Oh oui, il a parquisé média en ligne qui a fermenté sous lui. Je veux dire, chérif Abdallah, ça que m'a dit ou même capitaine qui a regardé là. L'opte d'émission ça y sur plateforme YouTube InfoBeto, sur Tax 69 avec Foucault, sur Boostadion TV, Madame Sarah, et bien attention, Jimmy Mouna Fabon TV, Tchèque Peuple, parlez Haïti, Esdras Lise, mais toute l'autre plateforme média en ligne qui a fait travail là pour payer, partagez l'émission sur tout groupe WhatsApp, tout groupe Facebook, avec tous les amis qui nous contactent WhatsApp, une façon pour nous faciliter parole, ça arrive dans les oreilles criminels pour nous faire sentir que nous avons battu ensemble avec elle et nous battu à tous les niveaux. Parce que nous pas moun, c'est des criminels nous qui ont eu, mais justement nous comprenons et nous avons battu ensemble avec eux. Nous avons ciblé nous. Monsieur ciblé effectivement les médias en ligne. Et bien, les médias en ligne, c'est lui-même qui révolutionne, qui font révolution dans les médias, justement, qui a fait des peuples, ça prend son habitude à tous les niveaux. Papa, ici, moi, maintenant, en pile, nous sommes contents ensemble avec nous. Info bête aux amis, pas nous, cavalier pour le canon. Nous avons un petit paysan, même, j'avais nous. Bataille, paysan qui a bataillé pour la vérité dans sa guinée pour eux. Avec assassinat président Jovenel Moïse, parce que nous croyons que c'est avec la vérité dans assassinat président Jovenel Moïse, et que nous sommes capables d'aider pays ça, sortir exactement dans la situation qu'elle trouvait là. Moi, maintenant, en pile, que là, rendez-vous casser, pour notre émission. Info bête aux amis, pas nous.